Vous suivez Le Monde en une minute. Au Moyen-Orient, l'Égypte a déclaré qu'elle n'accepterait aucune présence des forces israéliennes le long de sa frontière avec la bande de Gaza, a indiqué ce lundi un média proche des services de renseignement égyptiens. Israël a lancé de multiples frappes aériennes dimanche matin au Liban, affirmant avoir déjoué une vaste attaque du Hezbollah, mais le mouvement libanais a parlé d'un succès avec le tir de centaines de drones et de roquettes pour venger la mort d'un de ses chefs. Guerre en Ukraine, le ministère russe de la Défense a affirmé avoir mené une frappe massive contre des sites énergétiques et des aérodromes en Ukraine. La vague de bombardements aériens la plus vaste dans ce pays depuis des semaines. Au Pakistan, des séparatistes baloutches ont tué dans la nuit de dimanche à lundi au moins 39 personnes dans le sud-ouest du pays lors d'attaques coordonnées ayant ciblé des individus originaires du Pendjab.